Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça tremble un peu, je suis avec mon pote Jojo, Jojo Production, on mettra le lien dans la description. Salut les amis. Voilà, et on va au stade. Grosse affiche. Grosse affiche, là c'est le derby breton, on va vous montrer tout ça juste après, la caméra est là. Allez, bon match. Ciao. Ouais, donc on est bien là ou pas? Ouais, impeccable. L'éclairage qui passe impeccable à la télé, on est bien placé comme les caméramans professionnels. Pas de problème, on va vous montrer ça. Et puis bah toi t'es content de revenir ici parce que t'as bossé sur le chantier du stade. Oui c'est vrai. J'ai bossé en plusieurs phases, j'ai fait plus d'un an des travaux en électricité. Et donc ça me fait plaisir de revenir sur mon lieu de travail en fait. Donc bah, voilà, c'est un petit peu. On va dire une joie de retrouver mon lieu de travail. Voilà. Et c'est la récompense parce que voilà, j'ai gagné une place, la boîte intérim m'a offert. D'ailleurs je remercie les filles de l'Angéna Intérim qui m'ont offert gentiment deux places pour le match Nantes-Lorient. Voilà, et puis je mettrai un bout de ta vidéo que tu as fait sur le chantier du stade. Tout à fait. Ça va être sympa, vous allez voir, c'est impressionnant. Quoi. Voilà, pour les fans, vous allez voir comment ça se monte à terre. Ouais, ils ont enlevé toute la pelouse, ils ont tout refait, c'est voilà. Impressionnant. Voilà. Ouais, c'est pas mal cette vidéo. Voilà. Bon, allez, je vous montre de l'autre côté de l'écran. Voilà l'emplacement. Et là, ça va être le feu, là, tout à l'heure. Allez, les jaunes. Allez, 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 Nantes a joué. Tous avec vous, les jaunes et verts, d'un seul élan, et sur un seul air. Nous vous crions, Nantes a gagné, du nord au sud de la Loire, de la Bretagne à la Vendée. Ah, j'ai toujours ma petite larme à l'œil. Normal. Quoi. C'est ça, les supporters. Hein. Bah voilà. Allez, c'est parti. Allez. Oh,
Alors Jojo, tes réactions là de la première mi-temps? Comme Charles, là, faut arrêter de tricoter le ballon, les gars. Faut jouer plus vite, mettre du mouvement. Ah ouais. Chez nous ici, on est dans notre jardin. Donc faut les faire subir le jeu, faut leur faire subir le jeu. Il faut les bombarder, il faut que ça bombarde, mais dur. Tu dirais qu'il faut qu'ils jouent à la Coco Solo. Voilà. Touche de balle, en triangle, terminé quoi. Terminado. On avance. On arrête de faire des faux farons avec le ballon. Ludo, muscle ton jeu. Voilà. Ça tricote. Après tu t'emmènes les pinceaux. Je vais descendre sur le terrain et puis ça va être propre au cul-cul. Hein. Ça va être défaissé les gars. Donc on y va, on pousse, on est chez nous ici. Hein. On est bien d'accord. C'est là que tu t'appelles. Voilà. C'est là. Ne vous trompez pas. C'est là. Bon. C'est pas rouge. C'est vert et jaune ici. Vous avez bien compris ? C'est vert et jaune. On y va les gars. On se retrouve à la fin du match. Alors Charles, tes réactions à chaud ? Première mi-temps, qu'est-ce que t'en penses ? Un match, j'ai trouvé dans le respect, il n'y a pas beaucoup de fautes. On récupère bien les ballons, je trouve. Mais ça manque de finition, quoi. C'est ça le problème. Ouais, d'accord avec moi. Donc quelles sont tes directives pour la deuxième mi-temps ? Qu'est-ce que tu dirais à tes gars ? Moi je dirais d'arrêter de tricoter trop de la balle, il faut jouer plus rapide, quoi, une touche de balle. C'est ça, à la nantaise. À l'ancienne. À l'ancienne. Tout à fait. Voilà, on reconnaît l'ancien, À la Coco Studio. C'est ça, pas le choix. Bon, on vous retrouve après la deuxième mi-temps, notre réaction à la fin du match. A plus tard. Allez, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Ça attaque un peu là. Là, le COP... un peu de bruit mais gentiment quoi. Voilà, spéciale dédicace, il y a un pote qui est en présidentiel là hop, Pierrot, petite dédicace. Deuxième. Ça se réveille, à vos joueurs. Et voilà, on a gagné 1-0. Donc, Charles, réaction à chaud, parce que là, faut quand même préciser quelque chose. Nous sommes avec nos amis ultra du vignoble, notre COP. Là, on est rendu chez les supporters qui ont vu ça à la télé. Bon, nous, malheureusement, on pouvait pas être avec vous, les gars, pour vous supporter, les gars et filles. On a été voir le match en direct avec Charles. Alors, Charles, tes réactions à chaud après le match ? J'ai trouvé qu'il y avait une bonne défense. Moutou Samy, il a fait un match terrible. Super match. Exact. Mais ça manque, ça tricote trop, quoi. C'est toujours le même problème. Ils donnent pas assez leurs balles rapidement, quoi. C'est ça. Et ouais, ils regardent, Et puis ils regardent pas où ils tirent. Ludo Blas,
C'est dommage, là, il a fait des bons trucs sur la fin du match. Oui, c'est vrai. Ça tricotait trop, quoi. Mmh. Alors, du coup, voilà. Mais je crois qu'il a marqué un bon but. Quand même. Il est beau. Hein. On reverra ça, parce que nous, on n'a pas le ralenti. On reverra ça, effectivement. Il est bon. Bon, on a la confirmation des ultras du vignoble. Ils ont vu ça à la télé. Ah, voilà, c'est ça le problème. C'est ça qui est chiant. Voilà. Un petit problème de... Parce qu'ils auraient pu en marquer plusieurs. Rien d'autre à ajouter, coach ? Bah écoute, non, pas pour le moment. Donc ben voilà, le match est fini. Là, on est rendu chez les copains avec qui on regarde le match de foot. Et puis bon, bah si vous avez bien aimé la vidéo, hein, comme d'hab, on clique sur les pouces en l'air. Pas de pouces en bas, j'en veux pas. Et puis bah abonnez-vous. On continuera les voyages. Au revoir aux abonnés. Allez, j'espère que ça vous a plu. En force, hein, on soutient, parce que la prochaine fois c'est Lens. Ça va être autre chose. Eh ben oui, c'est la Coupe de France. Quart de finale de Coupe de France. Lens, on reçoit chez nous, dans notre jardin. Ça va le faire. Donc, on va regarder ça. Allez, à plus. Allez, Nantes. Allez, Nantes. Allez, Nantes. Allez, Nantes.